qu'elle a accédé à votre désir. Est-elle là? Séverine est là. Oui, elle est ici ce soir. Fantastique. Venez, Séverine. Venez, c'est extraordinaire. Il vous avait complètement perdu de vue. Il vous retrouve ce soir. Je présume qu'il est très, très heureux. Vous êtes heureuse aussi? Oui. Vous acceptez de chanter nu pour lui? Oui. Un peu pour nous aussi? Pour vous aussi. Alors vous allez chanter, puis ensuite nous parlerons ensemble. C'est à vous. Séverine, en direct du studio 109 pour Eric et puis pour notre plaisir à nous aussi, venez, je vous en prie. Voilà, soyez vous. Vous aviez été très étonné quand je vous ai écrit, quand je vous ai téléphoné d'abord. Vous ne pensiez pas du tout qu'Eric vous aimait comme ça? Non, pas du tout. Alors voyez, Eric, vous vous êtes complètement trompé dans vos intentions, vous aussi. Qu'est-ce qui vous plaît chez les forains? Ben, ils sont un peu comme des comédiens, ils sont changeants, puis ils m'amusent. Ils vous amusent quand ils font leur vente à la criée, comme ça? C'est là où vous l'avez désiré le plus, c'est ce que vous m'avez dit. Oui, c'est là que je suis vraiment tombée amoureuse de lui. Alors ce soir, il a voulu lui aussi, à sa manière, vous rendre un hommage. Et c'est aussi ça, l'instant d'émotion du Narcisse au chaud. Regardez, ma 17e, tous les matins quand elle venait, elle la regardait, et je sais qu'elle l'aime. Elle est à vous, c'est votre gaine, il vous l'offre. Il vous offre aussi un autre cadeau. C'est cet autocollant, je la montre à la caméra numéro 4 de Didier Barzoni. C'est l'autocollant de l'Association des Forains de France. Ils sont tous groupés et ils ont voulu que vous ayez cet autocollant pour les remercier. Alors moi, j'aimerais vous faire un cadeau, Marie-Alice, s'il vous plaît. Vous avez le choix entre deux cadeaux et Marie-Alice va nous dire tout de suite ce que vous avez gagné. Alors, une création autour de votre doigt d'une bague en véritable diamant de 18 carats. Formidable. L'auteur de cette œuvre, Jean-Philippe Bachaumont, maître joaillier, place Vendôme, et la valeur de la bague de 188 000 francs. À moins que l'enveloppe surprise. Séverine. Ben, la bague est très jolie, mais je vais quand même choisir l'enveloppe. C'est très courageux, je vous l'attends. Voici, nous allons aller sur le plateau du 109 maintenant. Vous allez ouvrir cette enveloppe et nous allons savoir ce que vous avez gagné. Mais en attendant, vous allez recevoir un magnifique bouquet de fleurs qui vous est offert par Floratel. Floratel, le partenaire de vos histoires d'amour. Floratel, des fleurs que pour elle, 1263 points de vente dans le monde. Fantastique. Vous avez ouvert l'enveloppe? Vous avez beaucoup de choses, vous êtes ému, vous êtes embarrassé. Pouvez-nous lire ce que vous avez gagné? 8 paquets de couches culottes,
dodo pour votre futur enfant. C'est pas extraordinaire, regardez. Voici les couches culottes dodo, vous allez l'ouvrir, peut-être pour montrer à la caméra numéro 3 de Didier Barbonnier. Ça va faire un plan un peu serré, formidable. C'est aussi ça le narcissochaud, des moments de bonheur, des moments de vérité, des moments extrêmement forts. Et ce sont vos histoires qui nous permettent de faire le narcissochaud. Continuez à nous écrire. À toutes et à tous, merci à Eric, je sais qu'il est heureux derrière son téléviseur. Merci, à bientôt, au revoir. Et oui, Laurent, c'était bien pommade, le mot-clé qu'il fallait prononcer. Et a priori, Joël devrait être là ce soir si tout s'est bien passé. Est-elle là? Oui, elle est là. Joël nous a fait l'immense plaisir de venir. Je vous en prie, c'est la première fois que vous descendez le grand escalier du studio 109 et que vous descendez en biais. C'est parfait. Ça va bien, Joël? Très, très bien. Vous avez accepté de venir chanter et danser nu pour Laurent? Pour Laurent, oui. Et puis pour nous aussi, pourquoi pas? Ben oui, naturellement. On essaye? On essaye. Et on parle après. C'est à vous. Du ciel en janvier, les koalas viennent se faire caresser. Et puis il y a des couchers de soleil et des boissons pareilles qui vous réveillent. Si ma vie tourne bien, si ça va comme j'espère, j'irai partout sur la terre, partout très loin. Si ma vie tourne bien, je verrai des gens différents, des gens qui vivent autrement. Joël, la petite pharmacienne, venez, venez, extraordinaire. Ça va bien? Oui, très bien. C'est un peu normal pour une pharmacienne, non, d'aller bien? Ben naturellement, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Laurent? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un garçon téméraire qui vient régulièrement vous voir. Au début, c'était pour des petits bonbons pour la gorge. Alors là, j'avoue, j'ai toujours été étonnée, mais effectivement, Laurent est passionné. Alors... Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas que Laurent qui était qui pensait beaucoup à vous. Vous avez des clients qui sont très, très tordus. Très tordus. Là, vraiment, il faut le dire. Vous avez des clients qui mettent des préservatifs sur la tête. Par exemple. Qui mangent des suppositoires. Qui mangent des suppositoires. On se demande où ils mettent les comprimés. Oui, naturellement, je n'oserais pas le dire. Et Laurent est quand même un de vos clients préférés. Et lui, il vous aime beaucoup. Et ce soir, il a voulu marquer ce narcissochaud pour vous remercier à sa manière d'avoir participé, d'être venu chanter nu. Il a voulu vous faire un cadeau. Regardez, Marie-Alice vous porte ses objets. C'est lui qui les a fait de ses mains. Ce sont des Scooby-Doo. C'est la preuve de son amour et c'est extraordinaire. C'est aussi ça, le narcissochaud. J'aimerais que vous présentiez ces Scooby-Doo à la caméra numéro 4 de Didier Barzoni. Vous êtes heureuse? Vraiment, très touchée. Et puis, ce que j'aimerais, c'est moi-même, à mon tour, vous offrir un magnifique cadeau. Et Marie-Alice va nous dire ce que vous avez gagné. Vous avez le choix entre deux cadeaux. Écoutez, écoutez, Joël. Alors, Jean-Patrick, il s'agit d'une rente ou d'une enveloppe surprise? Alors, la rente d'abord. C'est une rente annuelle de 8000 francs par mois à vie pendant 10 ans, offerte par la Banque Internationale de Transactions Économiques. C'est-à-dire la BITE. Tout à fait. À moins que Joël ne choisisse... L'enveloppe surprise. Alors, Joël, que choisissez-vous entre une rente à vie pendant 10 ans et une enveloppe surprise?
Eh bien, je crois que je vais choisir l'enveloppe surprise. Allons-y. Alors, voici l'enveloppe surprise. Et cette fois-ci, aujourd'hui, elle est très très lourde. Nous allons nous retrouver au centre du podium du Studio 109, où vous allez ouvrir cette enveloppe et nous faire découvrir ce que vous avez gagné. Mais en attendant, vous allez recevoir un magnifique bouquet de fleurs qui vous est offert par notre partenaire Floratel. Floratel, le partenaire de vos histoires d'amour. Floratel, des fleurs que pour elle. Floratel, 1263 points de vente dans le monde. Alors, Joël, qu'avez-vous gagné? Alors, 15 jetons qui vous permettront l'entrée gratuite des Sunnysettes du 17e arrondissement de Paris durant un mois. Extraordinaire comme cadeau, vous vous rendez compte? En plus, j'ai demandé, moi, au conseiller municipal qui s'occupe de ça à Paris, il y en a 28 dans le 17e arrondissement, c'est pas fantastique? C'est fantastique. Merveilleux. Merci Laurent de nous avoir raconté cette histoire, d'avoir fait partager cette histoire d'amour. Merci Joël d'avoir accepté de venir. À bientôt pour un nouveau Narcisse au Show. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir. Ici ce soir, je l'espère pour vous, je sais que c'est un moment ô combien important. Est-elle ici? Oui, non, oui, Estelle est venue. Extraordinaire. Merci Estelle. Venez, descendez ce grand escalier. Absolument extraordinaire. Je sais que vous venez de la banlieue sud de Paris. C'est exact. Et vous avez voulu participer au Narcisse au Show, chanter nu pour Jean Wagner. Oui, c'est pour ça que je suis là. Alors vous allez chanter, c'est à vous, et nous parlerons ensemble tout à l'heure. Bonne chance. Les filles qui bougent sont des indiennes. Formidable, extraordinaire. Venez, Estelle. Ça va bien? Oui, ça va mieux. Ça va mieux, vous aviez un trac terrible. Oh là là, oui. Alors, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que Jean Wagner, ce psychanalyste qui est votre voisin, était un voyeur et qu'il n'arrêtait pas de vous reluquer avec ses jumelles et avec cet appareil photo? Oh, elle m'a suivi tout le temps, celui-là, soit matin, soit l'après-midi, mais je suis souvent dans un livre l'après-midi. Alors, c'est dans le jardin, dans votre chambre à coucher, dans votre salle de bain, où? Oh, partout, hein? Point-là. Oh là là, oui. Vous en avez même assez à un moment donné. Oh là là. C'est pour ça que vous êtes venu au Narcisse au Show, parce que vous avez dit au moins il me verra à poil une bonne fois pour toutes et on n'en parlera plus, c'est ça? C'est exact. C'est pour ça que j'étais surprise et la même étonnée parce que celui-là, je m'aurais bien les montrer. À tel point que vous avez créé une association qui s'appelle la LCVB, qui est l'association de lutte contre le voyeurisme en banlieue, parce que vous pensez que c'est un phénomène troublant qui existe en banlieue, c'est un phénomène grave et brûlant, c'est vrai? Oui. Alors les téléspectatrices du Narcisse au Show peuvent s'inscrire, celles qui habitent bien entendu la banlieue, et plutôt la banlieue sud du côté de Savigny-sur-Orge, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, Jean Wagner, lui, est psychanalyste et apparemment ce sont des gens qui vont bien. Il accepte tout à fait son voyeurisme et il a voulu vous faire un cadeau. Regardez, Marie-Alice vous le porte tout de suite. C'est une paire de jumelles.
Et il aimerait que vous aussi, à votre tour, vous montiez sur une échelle et avec cette paire de jumelles, vous puissiez le regarder en train de se déshabiller. Alors allez-y, regardez. Regardez la caméra numéro 3 de Didier Barzoni. Mettez les jumelles. Est-ce que vous voyez Jean Wagner? Oh là là, c'est du professionnel, celui-là. Et alors Jean Wagner, qui est aussi, comme vous le savez, comme il est psychanalyste, tout est lié à l'enfance. Il a voulu vous offrir cette magnifique boîte à musique. Regardez, on va l'écouter. Vous l'entendez? C'est extraordinaire. Je la montre à la caméra 2 de Didier Barzoni. C'est un moment émouvant. Vous êtes heureuse? C'est mignon. C'est aussi ça, le Narcisse au chaud et l'émotion de la télévision. C'est à vous. Vous ne repartirez pas sans le cadeau du Narcisse au chaud et Marie-Alice va vous dire ce que vous avez gagné. Vous avez le choix entre deux cadeaux. Écoutez. Une robe du soir de chez Christian Sassevoix d'une valeur de 80 000 francs. Combien? 80 000 francs. À moins que Estelle ne choisisse... L'enveloppe surprise. Alors Estelle, le moment est important. Que choisissez-vous? La surprise, la robe c'est pas mal, mais... Ah, il faut vous décider. Il y a des surprises quelquefois dans la surprise. Choisissez l'enveloppe surprise? Oui, je prends le risque. Allez, vous prenez le risque et vous avez certainement raison. Voici l'enveloppe surprise. Je vais demander à Marie-Alice de reprendre ses objets qu'elle vous rendra tout à l'heure. Et vous allez venir sur le podium central du 109. Vous allez ouvrir cette enveloppe et nous lire ce que vous avez gagné. On va faire un peu vite, il y a le chef de plateau qui nous fait signe. Allez-y, je vous en prie. Une visite guidée du jardin des Tuileries. Tuileries, oui. Le 17 décembre à 10h15 ou le 19 décembre à 10h. Donc vous avez le choix entre le 17 décembre à 10h15 ou le 19 décembre à 10h. C'est extraordinaire. Vous connaissiez le jardin des Tuileries? Oui, un petit peu. Alors vous le connaîtrez encore mieux grâce à cette visite guidée. Merci Jean Wagner de nous avoir raconté cette histoire. Merci à vous Estelle d'être venue. À bientôt à toutes et à tous pour d'autres histoires extraordinaires. À bientôt, au revoir.